des spectacles de danse. Donc c'est parti de là, je dirais, le désir de faire ce film. Il y a beaucoup de préjugés autour de la danse. Donc il y a des préjugés sur la danse classique, où le préjugé beaucoup véhiculé par les Américains, c'est de dire que c'est une souffrance terrible et que c'est être à l'armée, la danse classique. Alors que quand vous voyez les danseurs classiques, ils rigolent beaucoup, ils ont beaucoup de plaisir à danser. Enfin, c'est quand même à la base du plaisir, quoi. Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui, de repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien. Si tu construis ta vie sur ton corps à 35 ans, t'es à la retraite. T'es obligé d'avoir au moins deux vies. Sabrina m'a proposé un job avec son mec. Et donc tu vas complètement laisser tomber la danse. Faut y croire. Hein, faut t'accrocher. Dans le film, il y avait cette idée quand même d'être blessé et d'aller vers une renaissance. J'ai fait le film pendant le confinement des danseurs de l'Opéra de Paris qui continuaient à s'entraîner chez eux parce que pour eux c'est vital de continuer à bouger, quoi. Ça a été ça le déclic, c'était de dire que danser c'est une façon de ne pas être enfermé. On est une compagnie de danse contemporaine. Moi, c'est toujours les résidents que je préfère, c'est les danseurs, parce que... Quand ils bougent, tu veux dire avec les... Le corps. Quand ils bougent avec le corps. Quand ils bougent avec le corps. Le mouvement. Oui, oui. Quand ils dansent, quoi. Ils sont positifs, quoi. Ils sont positifs, tous. Les personnages sont positifs, donc attachants. Et ils ont chacun leur part de drôlerie. François, là, Civil, Mio, Pio, évidemment. Mais... et Josiane, au milieu de tout ça, elle jubile. Attention, hein. Bien, attention un peu. Pour moi, quand tu mets un tutu, c'est cucu. Ah, qu'est-ce que tu connais, toi ? Et la danse classique a un peu de ça aussi. Je ne vais pas y avoir un ballet classique parce que je n'en suis pas, je n'ai pas... Et c'est réservé à une élite, oui. Ça m'est beaucoup troublé de voir des gens, justement, qui ne s'autoriseraient pas à aller dans l'opéra et qui, du coup, ont eu accès à ça. Et c'est... C'est impossible de ne pas réagir, quoi. Donc ça, c'était vraiment troublant de voir qu'il y a ce côté... c'est fait pour tout le monde, en fait. Ouais. C'est cool, merci, hein. Profite de toutes les vies que la vie pourra te donner. Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie.